Et oui, on vous a encore déniché des gens talentueux. Salut à tous, je suis Raph. Je suis Dev. Je suis Afolia. Et nous sommes chez Guitar Attic. Le grenier à guitare. Alors, salut Afolia, hyper content de t'accueillir au grenier. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, voilà, pour nos auditeurs? Merci à vous déjà. Donc, c'est moi, c'est Afolia, je suis musicien depuis une bonne dizaine d'années. Okay. Voilà, je suis guitariste, chanteur, et je compose ma musique. Voilà. Super, alors comment est-ce que ça a commencé pour toi la musique? C'est une longue histoire, je pense. Je ne viens pas d'une famille de musiciens, mais je viens d'une famille où la musique était toujours présente, en tout cas. Donc mélomane, mais pas musicien. Ouais, c'est ça. Famille, enfin, okay. Ils l'ont été, ou en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup. Ma mère a joué du violon quand elle était petite. Mon père a joué de la guitare aussi quand il était plus jeune, mais je ne l'ai jamais vu jouer. Le seul musicien qu'il y a eu dans la famille, c'était mon grand-père, donc, qui jouait la cornemuse au repas de famille et l'accordéon. Super. Donc, sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est pour ça que j'aime bien le son fort, parce que la cornemuse, ça bombarde quand même. J'adore la cornemuse. C'est ça, c'est genre un truc qui donne envie de mettre des boules caisses, mais j'aime bien aussi. Mais non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en mets jamais, en fait. Et je pense que j'étais habitué à ça. Voilà, rôder des tout petits, okay. Les oreilles rôdées. Voilà. Comment t'as démarré, en fait, la guitare ou un instrument, je ne sais pas? Non, j'ai commencé par la guitare et... Okay. T'avais quel âge, à peu près? 11-12 ans. Okay. Quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait une guitare dans la maison. À la maison, oui. Après, il y a eu plein de choses. Je pense que Retour vers le futur a joué pas mal de choses. Ah, oui. Je pense qu'il y a toute une génération qui a aimé Marty. Oui. Ouais. Voilà. Clairement. Ouais. Et puis là, tout le monde a rêvé de faire ça une fois et de se retrouver collé au mur, quoi. Mais vous n'êtes pas encore prêt pour ça, mais vos enfants vont adorer. Ok, alors quels sont les premiers groupes que tu as écoutés, les premiers artistes qui t'ont marqué? Donc c'est surtout les musiques que ma mère écoutait. En fait, tout ça, je m'en suis rendu compte bien après. Vraiment, mon premier concert, elle nous a emmené voir au Parc des Princes, c'était Genesis. Oh, excellent. Donc, avec Peter Gabriel qui était... À l'époque, je ne m'en souvenais pas. Pour moi, Phil Collins, c'était le mec qui chantait la BO de Tarzan. Tu vois. On l'a oublié, c'était... Mais pour moi, c'est resté comme ça. Et il y a toute la musique aussi... que jouait mon grand-père, donc la musique celtique. Il était pensionneur quand il était jeune aussi. Okay. Et il y a quelques années, en fait, je suis retombé sur un CD. C'était une compilation Saint Patrick's Day. Okay. Ok. Où dedans, t'as l'époque, t'as les Levellers, t'as plein de rock celtique, t'as plein de rock à guitare. Ok. Et je pense que c'est un des premiers CD qui m'a... Quand je l'ai réécouté, en tout cas, je me suis dit, mais putain, ça vient de là. On avait aussi un ami de la famille qui tenait une radio. Mmh.
Et donc, ils nous faisaient des bandes-sons sur cassette. Ouais, un peu décompilés. Décompilés sur cassette, on écoutait ça dans la voiture et tout. Et je pense qu'il y avait plein de trucs dedans. Ouais, donc, la musique était quand même très présente chez toi. Toujours, ouais. Quand tu as vraiment commencé la guitare et que là, tu t'es dit, bon, allez, je vais m'y mettre à fond, je dirais, est-ce que tu as un premier artiste qui toujours, t'a vraiment marqué? Toujours. C'est vraiment, c'était mon oncle qui écoutait, qui est le rocker de la famille, on va dire. Qui m'avait offert Get a Grip d'Aerosmith. Yes! La question la plus difficile, quels sont les trois artistes qui t'ont le plus influencé dans ta création? C'est avant tout ceux que j'écoutais au début. Ma discographie, elle est complètement éclectique, hyper large. Random. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, d'accord. Voilà, c'est les musiques où tu te dis, ouais, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Il y a pas mal d'ACDC. Ok. Un album en particulier? La compilation. Ok, ouais, bonne réponse. Ouais, bien joué. On parle pas assez des compiles. Les compiles, ça aide à découvrir un artiste. Le best-of, hein, tu vois. Bien sûr. Genre les 12 albums, quoi, je sais plus comment. Genre le best-of de Queen, c'est peut-être le meilleur album de Queen. Je suis pas vraiment d'accord, mais ça permet d'introduire Queen. Vous nous direz en commentaire, c'est sûr. C'est là que tu vas te faire un changer, parce qu'il y a vraiment des gens qui vont chercher best-of ACDC, ça n'existe pas. Oui. Enfin, bref. Il y en a pas. Ouais. C'est vrai. Il y a des lives qui peuvent ratisser un peu plus large. Il y a ça, et puis il va y avoir Metallica aussi. Ok. Ouais. Un album aussi, en particulier? Le Kills Em All jusqu'au Black Album. D'accord. Ouais. Après, j'ai pas eu, après, j'ai lâché, et puis je suis revenu en 2008 avec Death Magnetic, et puis après, j'ai relâché. Mm-hmm. Après, ils avaient fait un album où ils jouaient sur des casseroles. Ah ouais, ça, c'était celui d'avant. C'est ça, ça taille encore. Très attaché, en fait, à la mélodie, au songwriting. Ouais, à ce qui a raconté des histoires, plus que... Mm-hmm. Je comprends. Voilà, c'est ça. Je suis pas musicien, je dis que je suis plus conteur que musicien, en fait. Non, super, bah, on voit bien la tâche avec le côté celte, hein. Je me demandais, quelle a été ta première guitare? Et c'est une Morris de 73. Ok. Guitare japonaise. Oui, que j'ai toujours aujourd'hui, qui est une copie de Martin des 35. Elle était bien? Elle est toujours bien, je suis toujours. Bon. Ah, super. Voilà. Encore des gens qui gardent leur guitare. C'est bien. Bah là, c'est mais sinon, la première guitare, il y en avait deux, celle où sur laquelle j'ai fait mes armes, c'était une guitare classique. Okay. Qui appartenait à mon autre oncle et qui aujourd'hui n'existe plus, je ne sais plus où elle est parce que je l'ai malencontreusement oubliée dans le train en rentrant du lycée. Donc c'était une petite guitare classique. Ça fait mal. Voilà. Ouais. Le mec, quand il a voulu l'ouvrir, il a dû être choqué parce qu'en fait j'avais foutu des piezo mais de montre, tu sais, pour enregistrer, genre faire un truc roots avec du gaffeur dessus. Enfin bref, c'était. Ok. On essaye de s'imaginer. Mais ouais, voilà, okay. C'était tout un délire, le truc à la Jack White. Ouais. Et donc la guitare électrique sur laquelle j'ai commencé vraiment, c'est une Aria STG Series. Ah, ok. Que j'ai toujours aussi. Super. Alors, t'as pris des cours ou t'étais plutôt autodidacte au début? Non, du coup, j'ai pris des cours avec un professeur de guitare qui s'appelait Emmanuel Chevalier. Ok. Donc, du côté de Chartres. Mm-hmm. Plus de maintenant, du coup. C'est l'endroit d'où tu viens. Ouais, c'est ça. Ok. Et voilà, un guitariste qui a beaucoup fait de classique aussi dans sa vie, mais qui était également fan des Beatles. Et c'est lui aussi qui m'a fait découvrir tout ce qui est jeu au picking, tout ce qui est classique. Okay. Voilà. Il mettait aussi beaucoup la musique celtique, donc on a beaucoup travaillé ce genre de truc au bout d'un moment. Ok, d'accord. Et je crois savoir qu'après, dans ton parcours, justement, t'as continué en fait dans cette voie-là de l'apprentissage, puisque t'as fait une école connue à Tours. Je suis allé à Jazz à Tours pendant 2 ans. Ok. Voilà. Donc là, j'ai comme prof de guitare Sébastien Rideau.
Alors voilà, Folia, on t'a demandé de nous ramener, on va dire, tes guitares fétiches. Donc on va commencer avec la première. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui on est full Gibson, ce qui n'arrive pas tous les jours. On a la guitare, on a le case, on a même le chien. C'est top. Alors est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ta Gibson Les Paul? Alors c'est une Les Paul traditionnelle, okay, de 2012. Ok. Donc vernis faded. Ouais. Je crois que c'était une guitare qui était à la base dessinée pour le marché canadien. Ok. Donc ils en ont fait peu d'exemplaires. Donc elle est superbe. C'est un manche, un slim taper. On est en slim taper, voilà. Donc, ouais, vraiment le manche ultra fin. Ouais. On est sur... La table est magnifique. Voilà, la table, elle est pleine. Donc c'est les 9, ouais, trous Gibson. Donc elle pèse son bon 4 son... kilos. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Enfin, peut-être, voilà, pas tout le monde. Et ouais, avec cette table qui est très particulière, je pense qu'elle, oui, avait un défaut de vernis. En fait, le vernis coule en espèce de griffe, comme ça. Exactement, ouais. C'est vrai que la finition est assez atypique et voilà, chez Gibson. Magnifique, ouais, elle a bien vécu. Hein. Elle a bien vécu. Donc, je l'avais acheté à Paris. Il, okay, y a maintenant 10 ans. Neuf, du coup, ou d'occasion? A été d'occasion. D'occasion, ok. Donc, j'ai dû l'acheter en 2013 ou 2014. Donc, la personne qui l'avait avant moi n'a pas dû beaucoup la jouer, vu comme c'est un vernis faded. Ouais. Ça, quand tu l'ajoutes tout de suite... Ouais, ça s'use, ça se marque. Ça s'use très facilement. Donc, c'est ma guitare principale depuis, d'accord, maintenant 10 ans. Alors, à Folia, voici la deuxième guitare que tu nous, ouais, as ramenée. Alors, je vois là, un petit nom. Oui, Linda. Linda. Ben voilà, on vous présente Linda. Oui, du coup, elle est, toutes mes guitares ont des prénoms, parce que c'est, j'aime bien, c'est comme naviguer sur un navire sans nom, ça porte malheur. Oui, exactement, non mais je vois la philosophie, je comprends. En vrai, pas du tout superstitieux, c'est juste que j'aime bien... C'est le côté un peu celtique, ouais, non, voilà, qui revient. C'est presque le rapport à l'objet. Oui. Et donc cette guitare, en fait, je l'ai achetée pour 20 balles. Ah. Okay. Dans une brocante, okay, à Maintenon. Donc en fait, j'ai juste modifié la plaque parce qu'en fait, à la base, il y avait une planche de bois, ça. Ok, d'accord. Par-dessus laquelle était collée une plaque voilà, ouais, dorée comme jaune, ça. Voilà, ouais, ok, d'accord. Jaune. Donc en fait, ouais, elle était complètement morte, donc j'ai fait, okay, les incrustations. Donc en fait, ouais, tu t'es amusé à recréer une plaque, voilà, sur mesure, ça, avec les deux plaques d'origine. En gros, celle-ci avait déjà, ouais, une découpe. Ouais, okay, bah. Le bois, ça, c'est la plaque d'origine. Ok. Donc apparemment ce serait une guitare allemande, parce qu'il y a un Made in Germany, j'ai jamais trouvé ouais, ce que c'était. Alors, vraiment. Après c'est pas évident ces guitares-là de cette époque, c'est vrai que là il n'y a aucune inscription, faudrait voir le manche. Le manche, je sais même pas. Parce que des fois on a des indications sur le manche ou, ouais, le corps, il y a un tampon, il y a quelque chose, mais souvent aussi, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est, et ce qui me fait penser, en fait, j'ai eu un indice peut-être. J'étais allé sur les forums de Framus, etc. Oui. Et le mec m'avait répondu et il me disait, en fait, ça se trouve, comme ce qui se faisait à l'époque, c'est peut-être une guitare qui a été faite en prison. Ok. Parce que tu sais, les prisonniers, en général, oui, ils ont des ateliers, oui, bien sûr, ouais, de construction, carrément, de réinsertion. Et voilà. Parce que la tête, en fait, j'ai jamais retrouvé cette tête-là. Oui, le design de la tête, ouais. Et en fait, cette guitare-là, c'est un meuble. Du montage et tout. C'est qu'en fait, à l'intérieur, c'est limite un linteau de cheminée, juste contouré comme ça, okay, mais après c'est un bordel pas possible, et là-dessus c'est du contreplaqué, quoi. Ouais, ouais. Donc je pense qu'elle est des années 60. Ok, mais génial, une guitare super atypique, et vous allez voir, avec un son très particulier aussi. Les micros ont un niveau de sortie très faible, très faible, c'est des micros Framus, je crois. Ouais. Mais intéressant, il y a un grain vraiment atypique, quoi. Donc voilà, ça reste un gros mystère. Au cas où quelqu'un reconnaît la tête ou a des informations, surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Parce que là, devant des mystères comme ça, voilà, on a envie d'en savoir plus, quoi. Ça excite notre côté curieux, guitariste. Enfin voilà, on est tous un peu geek, on est d'accord. Ça se trouve, ça vient d'un bluesman maudit ou d'un jazzman maudit qui l'a perdu sur la route. Ah, tout de suite, ça la rend tout de suite beaucoup plus excitante. Moi, j'adore. Un certain Robert l'aurait oublié à un croisement. Ouais, c'est ça. Thank you.
Folie, on a vu tes guitares. Maintenant, on va étudier ton pedalboard. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il était déjà très bien organisé. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je suis un peu maniaque des trucs. Le contrôleur, c'est un truc que j'aime bien. Genre, étant fan de U2, de The Edge, etc. Okay. Et aimant vraiment jouer avec plein de sons différents, avec beaucoup de pédales différentes. En fait, ça te permet de faire tes presets. Plutôt que de faire des claquettes. C'est qu'avant d'avoir ça, pour te dire, je travaillais mes jeux au pied de claquettes, les yeux bandés. Carrément. Pour faire, en même temps, comme je chante. Ouais. Des fois, surtout dans les salles, voilà. Les salles obscures, on va dire, mal éclairées. C'est ça. C'est pas facile. Pour pas regarder le pedalboard, je passais des heures à chaque morceau, les yeux bandés. Très sérieux. Donc, en fait, ça permet de faire des stackings. Pour ceux qui ne savent pas, un bouton, en fait, un preset permet d'activer celle-là. Donc, en fait, tu as, donc là, tu as tous les boutons, genre les loops. Mm-hmm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, tu as l'ordre de tes pédales branchées. Mm-hmm. Et tu peux choisir sur chaque preset, tac, je mets ici cette pédale-là et puis après, tu peux changer. Alors, la chaîne commence par le POG. Ok, en premier du coup. En premier. Ok. Voilà, c'est un octaveur donc, qui fait aussi office plein de sons d'orgue en fait. Ouais. Utilisé par des gens comme Jack White par exemple. Comme Jack White par exemple sur le Seven Nation Army, c'est ça. Ouais. Et j'ai un preset du coup que j'utilise énormément, que j'ai utilisé tout à l'heure, que j'ai appelé Black Orchid. Ouais. Parce que c'est un mélange de Jack White et de Black Keys. Donc ça commence là-dessus. Ok, après ça va, on va dans quoi? Dans la Tube Screamer? Alors pas du tout. En fait, on passe sur la Moog. Ok, donc grosse pédale. Une grosse pédale qui est en fait un trémolo surboosté. Ok. Donc on peut vraiment, sur les lots, faire un trémolo très, très tranquille. Et si tu pousses la fréquence... Ouais. Et tu mets les heights, en fait, ça va te faire un ring modulator. Mmh. Donc, c'est des pédales qu'on trouve qui sont plutôt orientées synthé, en fait. Normalement, ouais, c'est fait pour les synthés. C'est une pédale que j'affectionne particulièrement, que j'ai mis longtemps à trouver. Donc, c'est des pédales très impressionnantes visuellement, là, on la voit en vrai, effectivement. Le format est un peu compliqué, j'imagine. C'est un peu gros pour le pedalboard, on va dire, lambda, mais je crois qu'ils ont sorti cette version-là. En guitare. Enfin, en compact en, ouais, la compact pour les guitaristes. Malin. Et en fait, c'est une machine à tuer, mais vraiment, parce qu'en fait, même si on ne l'utilise pas en tant que trémolo, même le dry, il est super joli. Mm-hmm. En préamp, du coup. En préamp. Ouais, donc on obtient une coloration du son, même sans utiliser la modulation. C'est ça. Donc ensuite, le chaînage, je comprends qu'il est un peu... pas conventionnel du tout. Non, il n'a pas l'air. Parce qu'en fait, ce trémolo-là, par exemple, pourquoi je le mets au début? Parce que je l'utilise en ring modulator sur la distorsion de mon ampli. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça passe mieux même avant certaines... Avant les drives. Avant les drives. Et quand bien même j'utilise en trémolo, j'utilise que en clair. Okay. Donc, si j'utilise le trémolo, en fait, je n'utilise pas les drives. Donc, je m'en fous de... Je vois l'idée. Voilà. Ok. Donc, après, arrivent les drives, du coup. Arrivent les drives. Ah, comme quoi j'ai compris quelque chose. C'est ça. Ensuite arrive la Mastertron. Ouais, donc qui est une pédale Zivex. Donc une Zivex, une fuzz qui est normalement faite pour les bassistes. Ouais. C'est une pédale que j'ai voulu, parce qu'il me fallait une fuzz en fait. Mm-hmm. C'est la moins chère de Zivex et c'est surtout aussi parce qu'elle est pour les bassistes. Et j'aime bien quand je compose à la maison, utiliser des pédales pour... voilà. Pour avoir le bas. Ouais, pour avoir le bas. Ouais. Même un son particulier pour la basse, en fait, j'aime bien passer en direct. Donc, c'est... Donc, elle a des graves très intéressants. Ouais, tu peux la mettre en position normale. Donc, en fait, c'est normal. Mm-hmm. Et ensuite, tu as une octave, tu as plus de bas sur le côté 2. Mm-hmm. Et en plus, sur le côté 3, tu as vraiment le... On a une histoire avec David, avec les pédales Zivex. On vous racontera ça un jour. Super, donc là, il y a une overdrive typée Friedman. Et la Tube Screamer en premier, et la Friedman ensuite. En fait, la Tube Screamer, elle va me servir soit pour avoir des sons crunch, vraiment juste, voilà, soit pour mettre un petit peu de boost de gain sur l'ampli. Ok. Et la Friedman, j'utilise vraiment que pour des sons lead où j'ai besoin, où vraiment, en fait, ça va reproduire la distorsion de mon ampli, mais juste avec, en fait, j'utilise le volume. Avec plus de gain. Voilà, c'est vraiment pour le live et sortir un peu sur des mélodies. Ok, super. Alors, j'imagine qu'après, on arrive sur le phaser. C'est ça. Donc, qui, lui, pour le coup, est un effet de modulation, mais que tu as mis après. Oui.
Voilà. Du coup, là, on commence à retrouver le chaînage, enfin le chaînage normal. Le classique. On revient quand même. Faut pas déconner, les gars. Voilà. Donc c'est ça. Donc le Phase 90 que je dois avoir depuis maintenant 12, 13 classique. On l'a aussi au grenier. Voilà. Ça marche bien. Qui marche super bien. Moi, je l'utilise beaucoup comme ça pour vraiment faire la vague. Mmh. Donc le Smao Clone. Juste pour les spectateurs. On voit avec l'exemple de Small Clone que les pédales usées, les pédales reliques, c'est classe quand même aussi. Ça leur rajoute du charme. Ça leur rajoute du charme et surtout que le vernis des pédales électro-harmonix est vraiment merdique. Oui, on le sait, on en a des vieilles. Voilà, donc en fait, c'est très facile de l'user juste en l'utilisant. Ensuite, on a le delay. Ah, ok. Donc le DD3, pareil, que j'ai depuis... un classique. 12-13 ans maintenant, ouais. Que je me sers pour faire de l'ambiance. On peut l'entendre dans les extraits sonores, ouais. De toute façon. Ouais, c'est vraiment sur un fond, parce qu'il n'y a pas de tap-tap dessus, donc ouais. On est très limité. Par rapport au nouveau modèle qu'on a. Ouais. Ouais. Donc c'est la Rainbow de Fuzz Gear, donc c'est une reverb, qui est... en fait, il me fallait une reverb, parce que j'en ai jamais eu pendant très longtemps. En fait, j'ai fait ma reverb avec le delay. Ton ampli n'a pas de reverb. Non. Ok. C'est une Silver Jubilee. Ok, ouais. Donc effectivement, il y a pas de reverb intégré. C'est clean. Quand bien même, j'aime pas du tout avoir la reverb intégrée dans l'ampli, parce que comme j'utilise des sons crunch beaucoup aussi, j'aime bien en fait contrôler. Oui, l'avoir à part. Je comprends. C'est notre philosophie, ouais. Donc cette petite pédale qui est très bien pour un prix assez modeste en fait. Ouais, donc il fait à peu près plein de toutes les reverbs existantes. Elle fait tout, il y a le shimmer. Ouais. Il y a le Celestial qui est un shimmer plus on va dire. OK, donc pour des sons super ambiants. Voilà, la Rotary et la Church, c'est vraiment genre du big room quoi, enfin du, OK. Voilà. Et la Classic Spring qui font pour le coup, fonctionne bien en spring, c'est que quand tu tapes tes cornes et que tu as le... On a vraiment la vibration du ressort. Voilà. Alors, Afolia, on a fait le tour un peu de ton histoire, de ton matos. Et maintenant, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ton projet. Your project. Non, je ne vais pas parler anglais parce que là, ça va partir un peu. C'est un projet solo. Ok. Parce que j'ai dû créer en 2017. D'accord. Donc, dans l'optique, j'avais plus envie de faire partie d'un groupe. T'as fait partie de beaucoup de groupes d'avant ? Avant, pas beaucoup, un petit peu. J'avais eu peut-être 3-4 groupes avant ça. Ok, des groupes de rock ? Ouais, des groupes de rock. J'ai commencé par du métal à 15 ans. Ok. Pas un groupe de rock après. Ok. Comme ça. Et puis, j'avais l'envie de faire mon propre truc. Et donc, du coup, j'ai commencé à composer, voilà, dans l'optique de faire un album. Ouais. Et petit à petit, en fait, les gars se sont greffés au truc. Donc au tout début, pour le single Slack Projector, c'était Gaylor Colin qui est à la batterie. Ok. Qui fait toujours partie du live band aujourd'hui, qui joue aussi dans Pete Grant. Ok. Maintenant. Suite à cela, sont venus Thomas et Louis. Donc Thomas Jones à la basse, qui est en même temps un side project qui s'appelle Tea Leaves. Ok. L'ambiance de musique qui est super bien. Ouais, okay, cool. Et ensuite il y a Louis à la deuxième guitare qui est arrivé en même temps que Thomas qui joue également dans Space Tea. Oui. Ok. Et dans Unclock aussi maintenant. Ça on connaît pas. On va écouter aussi. Ouais. Deux très beaux projets. Ok, génial. Très bien. C'est bien de faire des belles découvertes. Ouais. Voilà, la scène Tourangelle. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle existe. Même quand vous êtes point, allez écouter les groupes Tourangeau. Bien sûr. C'est ça. Et donc du coup tout ce petit monde là en fait c'est ce que j'appelle le live band en fait. Okay. Je compose les musiques et après, tu crées tout seul. Voilà, je le crée tout seul. Et en fait, derrière, voilà, les musiciens intègrent la formation pour le live. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils viennent tous d'univers différents. Et au niveau de ta discographie, alors où est-ce que ça en est ? Il y a des EP, des CD ? On a sorti un album. Ça va faire maintenant, c'est sorti en plein confinement. Ok. Ça a été enregistré où et comment ? Alors, il a une longue histoire. Ok. Donc en fait, il s'appelle Somewhere for Kitty. C'est un album que j'ai composé un peu comme un journal intime, quelque chose comme ça. Ouais, on vous mettra les liens pour l'écouter. Oui, bien sûr. Sachant que Kitty, en fait, est le nom que donnait Anne Frank à son journal. Ok. Et en fait, j'ai lu ce bouquin et il y a une phrase qui m'avait beaucoup touché qui disait que le papier ne juge pas. Mmh. On peut tout écrire sur le papier. Pas mal. C'est excellent. Ça qui a fait en fait la jeunesse de cet album. Au début, je voulais l'enregistrer tout seul, ou au moins avec. En mode studio ou... Non, donc dans le studio, donc au studio 404, là où il a été enregistré à Blois avec Franck. Donc, dans ce studio qui est super. Ouais. Tous les geeks de matos, studio 404 à Blois.
Voilà, une ville qui me tient à cœur. Ah ouais. Voilà, big up ça. À Roxette, qui, je sais qu'il nous regarde assez souvent. Donc c'est un peu le paradis du musicien avec, avec Franck, qui joue aussi le rôle de producteur musical. Pas, oui, pas dans le sens pétillé, ouais, mais un peu ouais, à l'américaine. Ouais. Donc, donc c'est vraiment on donne de vrais conseils sur, voilà. sur les couleurs à mettre en place. C'est ça, on réfléchit vraiment sur le son. Il a un parc d'ampli qui est génial. Il a fait beaucoup en analogique et beaucoup à la prise aussi. Donc, super. Le genre de studio qui fait envie. Et là, en ce moment, en fait, c'est plus, je suis plus sûr de l'écriture. En fait. Je suis dans, dans ma bulle. Et... Du deuxième album ou d'un autre EP ? D'un album. Très bien. Eh bien. Écoutez, vous avez tous écouté à Folia et vous abonnez à la page. Bien sûr. Mais également à celle de Guitaratique, bien sûr. Bah merci, oui, continuez, vous êtes déjà, vous commencez à être nombreux, en tout cas. Et puis, à nous soutenir. À Folia, on te remercie, en tout cas. Merci à vous. Merci vraiment pour l'invitation. Ouais. Tu reviendras. Dans ce petit paradis. Oui, oui. Vous le reverrez bientôt. On va certainement faire des petites voilà. choses ensemble aussi. En plus, on est voisins. Oui, ça aide. Ça aide. En tout cas, on vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut. Salut.